Et yo les gens, aujourd'hui c'est Badatorus, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes toujours avec notre PC et on se retrouve pour une mini vidéo setup et comment booster son PC pour que faire tourner par exemple des jeux tel Gmod, en ce moment je suis en train de jouer à ça, tel Gmod à 60 FPS. Donc c'est très simple. Tout d'abord, si vous possédez un PC portable, donc là je tourne avec un PC portable. Et que vous avez possibilité de faire un double screen, débranchez le double screen. Le double screen prend peut-être 20% du CPU. Donc déjà débranchez le double screen si vous avez un double screen. Après, donc très simple, là le PC en lui-même là il est en train de charger plein de choses, entre charger la police, les vignettes, le fond d'écran, les barres transparentes et tout, il charge beaucoup. Comme vous pouvez le voir, là par exemple j'ai lancé la vidéo. J'ai gagné des degrés ici. Mais bon, ça c'est pas le plus important. Après, donc on va commencer déjà par ça. Donc la première étape, ça va être d'aller sur faire clic droit sur votre bureau et faire personnaliser. Bon, comme j'ai pas envie que ça lag, moi, je l'ai déjà ouvert. Voilà. On arrive là-dessus. Donc vous enregistrez le thème que vous avez fait maintenant, si vous voulez le sauvegarder ou truc comme ça. Là j'ai mis le thème Baptiste. Et donc là vous allez descendre et vous allez dans Windows classique. Je vais pas le faire sinon je vais pas pouvoir filmer après, ça va me faire un truc bizarre, bon, voilà. Donc vous cliquez dessus et puis là on va avoir une qualité, enfin un fond bleu, une qualité bien pourrie, mais ça va booster votre PC pour pas qu'il rame, il ramera beaucoup moins. La deuxième solution après à faire, c'est donc moi j'ai téléchargé un petit logiciel qui s'appelle Razer Game Booster. Donc on va le lancer, d'ailleurs j'ai oublié de le lancer, on va le lancer, voilà. On lance Razer Game Booster. Donc le lien sera dans la description bien sûr, toujours. Pendant que le truc se lance là, pendant que le Razer Game Booster se lance, on va passer directement à l'étape 3. L'étape 3, vous faites CTRL là dessus, vous allez ouvrir le gestionnaire des tâches. Hop, gestionnaire des tâches, vous allez dans processus. Et puis là, bon, par exemple, moi je filme avec Frappe, je vous parlerai après. Donc là, par exemple, je voulais que votre logiciel marche. Attendez. Vous voulez que votre logiciel. Ou votre jeu tourne plus vite. Vous faites clic droit sur votre truc. Droit et définir la priorité. Et puis après, vous faites par exemple haut. Voilà. D'ailleurs, je trouve qu'on va faire comme ça. Hop, voilà. Ah, d'accord. Ok. Ça, c'est parce que en fait, je vais voir un ordinateur. Si vous avez la page. Voulez-vous, cela va apporter des modifications à votre ordinateur, voulez-vous accepter, si vous faites oui, vous pourrez pas faire ça. Voilà. Donc, Razer Game Booster s'est lancé, voilà. Donc, il faudra faire un petit compte et tout ça, bon, voilà, c'est... Mais après, c'est pas trop mal, parce que quand on optimise après les trucs, c'est pas trop mal. Donc, voilà, là, il se connecte. Voilà. Il rame, d'ailleurs. Analyse en cours. Il analyse pour pouvoir pas faire les trucs. Donc voilà. Donc là on a plusieurs jeux. Et donc par exemple voilà. Si vous voulez rajouter un jeu, vous appuyez sur plus ici, rafraîchir, voilà. On va dans le service. Voilà. Et puis après, augmentation automatique. Donc voilà, vous faites soit booster maintenant. Et puis Hop, voilà. Donc voilà, ici vous pouvez choisir ce que vous voulez booster ou pas. Et donc voilà, le retour en mode normal, bon, voilà, c'est truc. Et puis vous pouvez augmentation automatique, c'est activé. Vous avez les réglages, défragmenté, pilote, FPS. FPS c'est quoi d'ailleurs? Ah oui, voilà. C'est où est-ce qu'on va mettre les FPS? Donc là, ils sont en haut à droite. On a tous les trucs pour pouvoir booster et ça c'est en même pratique, on va gagner peut-être les 5-6 FPS à tout péter. Donc voilà, écoutez, maintenant on va passer à la vidéo setup pour vous montrer comment je fais pour faire tourner avec quel logiciel je filme. Voilà. Donc moi je filme avec Fraps, donc voilà Fraps que j'ai craqué. Je ne mettrai pas le lien dans la description, je pense qu'il y a d'autres craques sur internet disponibles pour craquer Fraps, peut-être un jour je le ferai. Donc voilà. Ce qui est très important parce que voilà, je ne peux pas filmer parce que sinon si je mets en mode classique, j'aurai pas cette case là parce que il faut que les barres là ici par exemple, faut que ça là
les fenêtres soient transparentes. Sinon, on n'aura pas la case Monitor Aero Desktop DWM. Et ça, c'est important, c'est pouvoir filmer le bureau. Et donc, voilà. Rien de spécial après. Bon, voilà. Je mets le lien aussi dans la vidéo. Et puis voilà. Allez.